Yahoo les bonchers, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la deuxième vidéo ouverture de booster surprise de Mario Kart 8. Donc si la suite vous intéresse, continuez. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo de cette ouverture de booster, je vous envoie en i et en barre d'infos pour aller voir du coup ce que j'ai eu. Et en ce qui concerne du coup les boosters en question, on peut avoir du coup Mario, Luigi, Peach, Wario, Bowser, Yoshi, Donkey Kong et Toad. Donc personnellement je préférerais dans tous les personnages, il n'y en a que 4 que je veux absolument, c'est Yoshi, Toad, Luigi et Mario, enfin dans l'ordre c'est Mario et après Luigi. Donc voilà, je vous invite du coup à aller voir la précédente vidéo pour voir ce que j'ai eu et on va ouvrir ça tout de suite. Avant d'attaquer, je tiens à rappeler que pour ceux qui ont créé du coup ces boosters surprises, ce sont les mêmes créateurs du coup que les boosters Zelda que j'ai précédemment ouvert sur la chaîne. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour voir du coup l'ouverture Zelda, je vous invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos. Donc du coup c'est parti, on sait comment ça marche, il y a une petite ouverture facile. On a un petit bout de papier autour pour garder le suspense. Et j'ai peur de retomber sur quelqu'un que j'ai déjà eu. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Non, on a Luigi, cool. Ah. Donc en fait, le petit papier, il sert à protéger la chaîne. D'accord, c'est sympa, pourquoi pas. Allez hop. Donc en ce qui concerne Luigi, je ne vais pas vous le montrer tout de suite en zoomé. Je vous le ferai tout à la fin, comme ça, ça sera plus simple. On va continuer du coup d'ouvrir les boosters. Hop, c'est bien si j'arrive à les ouvrir tout en haut, donc ça pourrait être pas mal si... jamais j'ai un dos, je pourrais vous le rescotcher correctement. C'est parti. Oh non. On a une secrète. Faut croire, parce que... ou alors c'est le même truc que... pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Zelda, pour Zelda aussi, il y avait une histoire de porte-clés d'une couleur différente. Et là, je pense aussi que c'est la même chose, c'est une secrète. Et c'est Mario. Donc en plus, j'ai un des personnages que je souhaitais, donc c'est trop classe. Et c'est trop rigolo de voir ça en or. Ça fait un peu le trophée, je trouve. Et donc, du coup, on va attaquer avec le dernier booster. Je vais quand même dégager tout ça. Hein. Voilà, on va mettre ça dans le petit coin. Et c'est parti, du coup, pour le troisième booster de la vidéo. 3, 2, 1. Donkey Kong. Donc, du coup, c'est parti avec le Mario en or. Voilà à quoi il ressemble. Donc, je pense pas, en fait, finalement, qu'il y ait 9 à collectionner. Mais je pense qu'il y en a 18 du coup. À mon avis, on doit avoir tous les personnages dans une couleur ou un truc comme ça, je pense. Ou alors, on les a même aussi en couleur bronze et argent. Ça pourrait être pas mal. Et donc, du coup, voici Luigi. Je ne vous montre pas Donkey Kong tout simplement parce que je l'ai eu dans la précédente vidéo. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir la précédente pour voir les détails du coup de Donkey Kong. Cette deuxième ouverture de booster de Mario Kart est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez surtout à aller vous abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait très plaisir aussi de vous compter parmi ma Pancha Family. Je vous retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas du coup à aller aussi dans le petit sondage pour me dire si vous voulez une autre vidéo ouverture de booster Mario Kart, car personnellement je compte m'en racheter. Donc voilà, ça me permettra de savoir si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup très vite pour d'autres vidéos sur le thème Mario. Voilà, sur ce, à bientôt.